Minecraft est un jeu fascinant. Vous avez des projets énormes, en redstone, en construction, des trucs à faire, et vous êtes tout le temps distrait par autre chose. Un petit mob, petite pause au bord de l'eau pour aller pêcher un ou deux poissons ou d'autres items, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, faire du tri dans son inventaire, alors ça c'est primordial pour pas que ce soit le bazar. A contrario, faire les boutiques, c'est quelque chose auquel on passe notre temps, c'est super cool. Même si t'as pas beaucoup de diamants, et bah c'est toujours sympa d'aller dépenser quelques diamants dans les différentes boutiques pour ne pas les farmer et récupérer différentes ressources. Un petit peu de terraforming, et on va bosser. Bonjour à tous, bienvenue les amis pour ce nouvel épisode sur Holycube. Content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs choses en tête, plusieurs choses que je voudrais voir. C'est pour ça que je prends un petit peu de hauteur et que je me balade comme ça. Parce que j'aimerais, alors déjà virer la canne à sucre qui est ici. Et je voudrais voir un petit peu pour faire un test de pattern, pour commencer à rajouter un peu de verdure dans notre biome qui est quand même fortement sec, aride. Oula, le petit lagou. Sec, aride et forcément des teintes très très jaunes avec tout ce qui est sable, etc. Et j'aimerais voilà apporter un petit peu de verdure à tout ça, donc j'ai plusieurs projets pour aujourd'hui sur cet épisode. J'espère juste que j'ai pas vu trop gros parce que je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Et ça va pas être facile, voilà. Donc j'ai pas grand chose, mais j'ai commencé déjà à farmer. Ouais, j'ai pas grand chose, hein, j'ai 3 stacks. J'ai farmé un petit peu de grasse parce qu'on va en avoir besoin. Ensuite j'ai des leaves, jungle leaves. Il va me falloir de la bone meal. Bon bref, j'ai besoin de plusieurs petites choses. Bien évidemment, hop, par ici. Voilà. Donc moi je prépare mon petit matos, j'ai quand même pas mal de trucs à faire, et dans ce cas-là, je vous propose un petit, je pense un petit timelapse, ça me paraît pas déconnant, histoire de faire quelques petits tests de pattern, voir ce que ça peut donner, et puis on découvre tout ça après ensemble. Voilà, premier test qui me paraît, honnêtement, qui me paraît plutôt satisfaisant. Au niveau des palmiers, on a différentes formes, hein, ceux qui cambrent un petit peu et ceux qui sont vraiment tout droits, etc. En tout cas, il faut que je fasse attention quand même à pas trop m'enflammer, parce que là, au niveau ancien débris, j'en ai utilisé un peu beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 qui ont été utilisés, donc c'est clair que 10 anciens débris pour un palmier, si je veux vraiment mettre pas mal de verdure dans le biome, ça va être très 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 vite compliqué. Donc il faut quand même que je sois un petit peu vigilant avec ça. En tout cas, écoutez, on va voir un petit peu déjà ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Ça va être intéressant d'avoir votre retour. L'idéal, bien évidemment, ici, j'ai commencé à le faire un petit peu, j'ai pas forcément envie d'en mettre beaucoup plus pour le coup, parce que... Donc là, ici, il y a toute la partie verdure. Donc là, ça me paraît logique qu'il y ait... Donc là, ça me paraît logique qu'on ait quand même pas mal de grâce ici. Je sais pas trop si je fais quelque chose un petit peu... Vous voyez, comme ici, là, un petit peu random, comme ça. Un peu en forme de damier. Est-ce que je mets tout complètement vert? Mince. Et surtout, est-ce que c'est pas trop? J'avoue, je me pose un peu des questions. Il va peut-être falloir que je vois... peut-être des exemples, ou que je regarde peut-être le terraforming d'Aurélien Sama, parce que le terraforming d'Aurélien Sama, il l'a fait au niveau en créatif. J'ai un peu de boulot à faire, parce que du coup, il y a la partie terraforming sur tout ce qui est herbe et sable, et sur toute la partie, comment dirais-je, toute la partie verdure, c'est à moi de le faire derrière. C'est pour ça que ça me paraît intéressant de faire des tests de pattern comme ça avec vous en vidéo, avant de valider éventuellement la forme, ce côté-là un petit peu, et surtout, vu la surface que j'ai à faire derrière, si je dois faire 50 arbres derrière, s'il me faut 10 anciens débris, bon, faites le calcul, ça en fait 500. Donc je voudrais quand même prévoir un peu le coup avant, quitte à en cramer 2-3 quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires ce que vous en pensez. Petite parenthèse sur le serveur créatif, j'aimerais avoir votre avis pour le coup, et comme vous le voyez, la sauvegarde du serveur créatif date un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus ça, c'est ici où il y a la grande pyramide, mais c'est rigolo de voir ça, parce qu'au final, regardez, il y a des choses hein, qui ont bougé quand même, hein. Le sphinx c'est pas encore fait, le village n'est pas là, l'obélisque non plus, et oh,
ça a vraiment bougé. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé. Donc ça fait plaisir. Ça permet de voir aussi, en termes d'avancement, ce qui a pu être fait. On se retrouve sur le Créa. C'est ici qu'a fait son terraforming, que Auré a fait son terraforming, donc la fameuse oasis. Elle est ici. Donc c'est toute cette partie-là. Donc en gros, comme vous le voyez, ça va de là-bas, ici, toute la verdure. Donc il a, en fait, il a rempli vraiment toute cette partie-là. Il n'y a que ici où c'est un peu plus dispersé. Un peu de volume, bien évidemment, c'est normal. Pareil au niveau de l'eau, d'ailleurs. Volume, du volume dans l'eau. C'est pas forcément le truc que je fais normalement, ça, d'ailleurs. Et c'est vrai que ça rend quand même mieux. Et ça va me permettre, tout simplement, d'enchaîner sur la question du jour, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un peu les avis des uns et des autres. Il a été loin, quand même, parce que ça va jusqu'ici, le terraforming, en fait. Hein. Donc j'ai un peu de boulot, parce que vous voyez, tout ça, ici, là, voilà, tout ça, c'est terraformé. Et vous voyez, là, la transition, ça aussi, c'est terraformé. Donc là, j'ai un peu de taf, quand même. J'ai un peu de taf. Il va me falloir beaucoup, beaucoup de sable et beaucoup de grâce. La question, elle est simple. En plus, ça tombe plutôt bien, parce que je ne suis pas un expert en terraforming. C'est vraiment pas mon truc. Donc, voilà le terraforming de l'Oasis. Question du jour, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que vous l'auriez fait comme ça? Pas du tout. Et ça peut être sympa aussi d'avoir un peu votre avis en tant que viewer par rapport au résultat final. Comme vous le voyez, j'ai encore pas mal de boulot à faire, hein, parce qu'il va y avoir quand même tout un petit aménagement à faire au niveau verdure, etc. Mais ça peut être sympathique d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, voilà, par rapport à la question du jour de la semaine dernière, et bah écoutez, effectivement, c'est vrai que sur les events comme ça, vous êtes quand même assez nombreux à être dispo pour les lives, mais pas forcément tous, et en même temps, il y a quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est le fait qu'on soit très nombreux et que ça fasse un assez gros brouhaha. Et c'est vrai que là-dessus, je peux pas, voilà, je peux pas vous dire le contraire. Quand on est très 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 nombreux comme ça sur un Discord, ça fait beaucoup d'animation, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui vous plaît aussi bien de manière live que de manière, en gros, condensée en épisode. Donc merci en tout cas pour votre retour qui est très important pour moi, et dans vos, à vos commentaires... pour la section, enfin dans la section commentaires, pardon, je vais y arriver, pour me dire ce que vous pensez, ce que vous en pensez de l'Oasis qui est juste là-bas. Alors maintenant, petit retour à la pyramide. J'aimerais faire quelque chose d'important et que je repousse depuis pas mal de temps parce que bah, j'aimerais bien mettre des ressources de côté. J'ai un peu du mal à mettre des ressources de côté. Hein. Souvent, j'arrive quand même à farmer des assez grosses quantités. Donc là, notamment la sandstone, j'ai quasiment, je dis bien quasiment, attention, je les ai pas, hein. mais quasiment une dizaine de shulkers de blocs. Sauf que bah, forcément, à chaque fois, hein, ça part très très vite. Donc pour l'instant, ce que je suis en train de faire, c'est que je me pose pas de questions. Je fais un pattern qui est tout plat avec de la sandstone. Pour l'instant, je m'en fous. En gros, je veux juste avoir une plateforme, bien évidemment, non spawnable. Hop là, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est pas grave. Une plateforme non spawnable pour commencer à avoir un peu une idée de la place que je vais avoir et de la surface que je vais pouvoir aménager. J'aimerais bien faire quelque chose ici, en tout cas commencer à prévoir quelque chose ici. C'est-à-dire que du coup, je commence à avoir des très très grosses quantités de canne à sucre. Des très grosses quantités de canne à sucre. Et l'idéal forcément, c'est de pouvoir les utiliser. On a le bambou, donc le bambou... Alors attends, hop, on va aller voir, je m'occupe de la plateforme après. Enfin, je la continue après en tout cas. Le bambou, aujourd'hui, nous sert de combustible, mais nous sert aussi éventuellement, je ne sais pas si vous le savez, à faire des sticks. Donc ça peut être pratique hein, si vous voulez vous faire énormément de torches, mais en tout cas, on va dire qu'il y a un petit peu plus d'utilité que la canne à sucre où vous faites quelques bibliothèques, quelques bouquins et entre guillemets sans plus. Mais il y a une autre utilité quand même avec la canne à sucre et je voudrais exploiter cette utilité là, pardon. C'est pour ça que je vais m'occuper tout de suite de cette plateforme pour que ce soit dans cette partie là de la pyramide. Donc je m'occupe de la plateforme vite fait, j'avance un peu et je vous montre après quelle est l'idée. Alors nous y voilà, le module est en place, on est sur quelque chose d'ultra simple et d'ultra basique, ce petit box ici, ça me permet juste d'avoir des poules pondeuses, donc je vais pouvoir ici farmer et récupérer des œufs, c'est aussi simple que ça, donc pas de redstone, rien de ultra compliqué, mais vous l'avez compris, aujourd'hui, alors ce qui se passe c'est que je bouffe des pommes de terre, cuite, c'est très bien. J'ai des golden carottes, c'est très très bien aussi, sauf que du coup forcément les blocs d'or j'aimerais les conserver plutôt pour la construction dans l'immédiat, tant que j'ai encore des constructions si balèzes à faire, autant conserver l'or pour ça pour l'instant. Et en dessous vous avez de la canne à sucre, et la canne à sucre se transforme en sucre. Du sucre plus un œuf, donc un de sucre, un d'œuf, et ensuite un pumpkin, donc une citrouille, ça vous donne de la tarte à la citrouille, pardon. La tarte à la citrouille, c'est un bloc qui se stack par 64, et qui est une bonne source de nourriture, donc ça me permettra d'avoir un palliatif, et c'est pour ça que j'ai mis en place ce petit truc-là. D'ici jusqu'à à peu près là-bas, je mettrai ici justement mon usine avec citrouille plus
pastèque. Donc on a de la marge, on a de quoi faire. Et je ferai ça tranquillement. Et donc ici c'est ultra simple. Vous avez juste un box en fait avec des hoppers. Plusieurs double chests pour avoir de quoi stocker. Et j'ai quelques... Ah voilà, notre première pondeuse. Notre deuxième. Donc ce qu'on va faire c'est qu'ici, vous avez vu, hein, j'ai un petit escalier ici. Qui me permet en fait de grimper tranquillement. Donc là il y a deux de hauteur. Hein. Et ensuite ce petit espace me permet tout simplement de pouvoir rebalancer ici régulièrement. Voilà, nos amis les Pouletto. Mais t'étais glitché toi? C'est pas bien d'être glitché comme ça. C'est très étonnant ce qui s'est passé. Normalement il était juste censé être à l'intérieur. Et vous avez vu, il s'est retrouvé à l'endroit où je suis. Donc là à mon avis il a dû avoir un petit bug. C'est pas grave, excuse-moi, personne n'a rien vu. Achoum, voilà, personne n'a rien vu, tout va bien. Donc voilà nos premières pondeuses. Bien évidemment c'est pas suffisant, on a 4 poulets hein, ici, c'est carrément pas suffisant. Ce que j'ai fait, je vais juste vous montrer, hop, et ensuite on va basculer sur autre chose parce que je vous rappelle qu'on a un projet assez fat, en tout cas j'ai un projet très très fat pour cet épisode qui va me prendre du temps, je sais qu'il va me prendre beaucoup de temps. Et j'aimerais bien pouvoir l'attaquer dans la foulée, sinon je vais jamais pouvoir ressortir l'épisode. Mais c'est vrai qu'entre la construction, le timelapse, le montage et tout ce qui va bien derrière, honnêtement je pense qu'à vue de nez j'ai minimum 3 heures de taf à mon avis devant moi, à vue de nez. Hein. Donc j'aimerais bien m'activer quand même pour pouvoir basculer à autre chose. En tout cas, je vous montre ça rapidos. Voilà, ma petite usine à poulet qui est ici, à côté de la source. Oh, redstone porn, j'aime voir ça. Bref, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai enlevé la redstone qui est au-dessus, ici, normalement. Et paf, voilà, ça me permet, en fait, de bloquer le système. Hop, là, ici, bloquer le système pour pas qu'il s'enclenche pour produire, pas toi. Voilà, pour produire de la viande. Alors, on a un tout petit taux, très petit taux d'échec. Hein, vous avez vu, on a 1, 2, 3, 4, 5 stacks et demi de viande cuite. Mais on a quand même 24 qui sont crues, donc je les remettrai à cuire. Et donc, ce système-là, ici, le fait d'avoir inhibé la redstone ici, me permet de récupérer des œufs, tout simplement, pour pouvoir accélérer le nombre de poulets au niveau de la pondeuse. Ce que je vous propose de faire très rapidement, moi, je vais aller remettre les œufs là-bas. Et ensuite, on va tout de suite se préparer pour faire notre petit timelapse. Et là voilà la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est ici. On est de retour sur le toit du Nether, qui est assez sommaire. Hein. Petite pyramide, l'usine à gold, pas besoin de fioritures et de plus pour l'instant, mais quand même, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de décoration. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus habillé. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, je farme pas mal de ressources pour pouvoir préparer... j'allais dire de la décoration, c'est même plus de la décoration à ce stade là. C'est même plus de la décoration à ce stade là, mais en tout cas j'ai réussi à mettre beaucoup de ressources de côté pour avoir un accueil, on va dire, un petit peu plus sympathique, voilà, un peu plus pharaonique, je pense que c'est le bon terme. Donc ce que je vous propose de faire, oh c'est tout, c'est des radasses quand même, hein, parce que j'en ai vu tomber des pigments, je pensais qu'il y avait plus que ça, c'est pas grave. Bref, ce que je vous propose de faire, on va basculer sur un bon gros timelapse, moi je pense que j'ai un petit peu de boulot, ça va pas se faire comme ça. Je vous laisse profiter, yes, les petites nuggets, oui les nuggets. Allez, je vous laisse profiter du timelapse, et puis on se voit juste après.
Ok, vu la taille du timelapse, j'espère que du coup il vous aura plu et surtout qu'il sera pas forcément trop long au montage, parce que du coup il y a eu un petit peu de temps de construction. En tout cas, les voilà, les gardiens de l'usine à gold. Donc vous avez devant vous Anubis, hein, qui est un des dieux très connus, très 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 connus, de la mythologie égyptienne avec l'ankh et bien évidemment le sceptre, les petits yeux en bicône, sinon c'est pas drôle, et bah forcément. Le côté stonks, il faut. Vous avez énormément, énormément de blocs d'or. Alors j'ai pris une potion de Night Vision. J'avoue, je suis vraiment pas fan du fond rouge qu'on a dans le Nether en Vanilla quand on prend une potion de. Ouais, une potion de Night Vision, je trouve ça un peu agressif, je trouve, en termes de fond, c'est un peu dommage. En tout cas, voilà. Vous avez quand même des. Les statues sont assez. Je me mets à côté, je me dis c'est ridicule. C'est ridicule. Attends, je vais aller juste à côté du truc, c'est ridicule. Oh merde, c'est très grand en fait, c'est très très grand. Bref, c'est ridicule. Allez, ça rend bien. Voilà, elles sont là, les deux bien évidemment, elles gardent l'usine. C'est notre accueil lorsqu'on va sortir de la petite pyramide. Et vous l'avez peut-être pas, je suis pas allé forcément où je voulais, mais c'est pas grave, c'est suffisant. Oh merde, c'est spawnable ici. J'ai plus de carpette. Oh shit. Alors, vous voyez ici, c'est spawnable, j'ai pas mis de bloc. Pourtant, j'avais bien préparé le truc pour pas que. Vous voyez ici, donc il y a des plaques de pression un peu partout. Alors, soit des plaques de pression, pardon, soit des tapis, soit des carpettes, pour pouvoir vraiment inhiber et bloquer tout ce qui peut être spawnable. Normalement, il y en a vraiment partout, comme vous pouvez le voir ici, hein, du tapis noir, du tapis bleu. Ici, j'ai mis du coup des plaques de pression, juste là, pour être sûr que rien ne spawn. Mais à l'endroit où on était, potentiellement, on avait deux zones spawnables. Ouais, c'est bon, il y en a bien une ici. Il y avait deux zones spawnables potentiellement là où on était. Hein. Faudra peut-être que j'aille regarder ça hors caméra. Forcément, c'est quand on prend du recul qu'on se rend compte un peu des choses. J'ai pas l'impression d'avoir fait de conneries au niveau des placements de blocs, au niveau du pattern, au niveau du petit bloc de diamant. Ouais, il est bien centré, etc. Donc ça m'a l'air pas mal. En tout cas, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. On est sur quelque chose d'assez gros, mais honnêtement, pour moi. C'est nickel et c'est suffisant. Je ne me voyais pas forcément faire un espèce de building ou de structure monstrueuse ici parce que c'est trop gros en fait vu que j'ai un espace de stockage qui est assez conséquent. Et je voulais pas un bloc dégueulasse ou trop gros ou même pour une pyramide c'est pas faisable. Et puis là au final, le fait que ce soit encadré comme ça par deux grosses statues assez imposantes, je trouvais ça good enough. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour moi c'est good enough. Et surtout c'est assez bling bling et ouais, franchement ça envoie. Ça envoie du pâté quand même, c'est vrai que c'est sympa. Un jour normal sur Holycube. Bref, en tout cas voilà, j'espère que voilà que ce petit timelapse vous aura plu et surtout que la construction et que nos gardiens vous plaisent. Et puis voilà. Et voilà les amis, on est arrivé, le moment tant redouté, on y est, c'est la fin de cet épisode. J'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude le petit like de l'amour, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment à participer dans les commentaires, aussi bien à la question du jour que sur le timelapse, que tout ce que vous voulez. Hein. Je suis toujours ultra ultra open aux différents commentaires. En tout cas, je vous remercie énormément d'être toujours là, parce que c'est que vous cartonnez, forcément, bien évidemment. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé, bye bye.